Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. C'est ça moi par contre. Oh la vache. Ouais. Toi t'attrapes. Oh yeah! Salut les gens! On est venu pour faire une petite réparation. Chez vous, c'est pas très bien entretenu. Oh, les escaliers! Damn. Je crois que le château là-bas il va être énorme! Marche là, c'est de la moyenne. Oh. Tu vas pas là-haut? Non, ça va. Énorme. Ah, on est tout bleu. Avant d'aller voir les voitures, faut qu'on voit les voitures. Il était pas fou. Tiens, tu dis, on est tellement en retard par rapport aux autres. C'est quoi ce bruit? C'est ah, putain, j'ai plus que... Oh, putain, la porte! C'est bon, là! Allez, viens! Deux fois, on a un petit coup. C'est pas trop de l'air. Oh, le bois, ça, il est mort. Comment le bois? Je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Je sais pas. Oh, ça pue. Oh. Oh.
chargé. Ça sent quoi? Ah, ça a une odeur, ça a moyen de vous. Oh, shit. Avec l'humidité et tout. Parce que Rothschild il avait. Ça a fait Rothschild. Il a illuminé pour nous. On allait arriver. Ça on va recevoir aussi. Ouais. Bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on se marre? Et je vous annonce, en gros, ici, on est dans le château de... Rothschild. Rothschild. Rothschild, alors, c'était une personne qui était très, très riche. Ouais, il est toujours très riche, hein. Ouais. Et encore en vie? Je crois, ouais. Bah, Rothschild, si tu vois cette vidéo... Sartek. Franchement, là, là, au niveau de l'entretien, ça va plus. Ça pue chez toi. Ça pue de ouf. Ramène des femmes de ménage. Allez décontaminer les... C'est Rothschild. Tu nous as laissé rentrer. C'est comme moi, comme ça, je vous fais juste des... En fait, c'est ça le coffre-fort. Hein.
Je peux te piquer ta lampe deux secondes? La petite ou la grande? Ouais, la petite, ouais. Voilà, dans la poche à tuyaux. Merci bien. C'est chelou là. Bah marche pas là. Marche pas là frère. Et garde tout le temps une main sur la barrière. Comme ça si tu passes au travers, en tout cas, t'auras une main accrochée. Non, allez, tu vas y aller. Ouais, rade. Quoi? Le mur. Ouais. Non, non, les escaliers partent du mur en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des fondations qui sont en dessous. Vas-y en premier. Comme ça, si tu tombes, on dira bah Aristote, allez pas tomber. Fallait faire attention, tu mets tes pieds. Tiens ta barre comme ça. Tiens là vraiment, hein. C'est pas avec tes deux doigts, tu vas te retenir. Ça grince, bordel. Ils ont pas l'air d'être très solides quand même, hein. Mais il y a air, hein, bon, je veux dire. Y'a rien? Regarde, t'as de la route. Si, y a des salles. Il y a le plafond. Petit, tu es doué. Ah, tapez pas trop fort. Ça dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ok. Et tapotez du pied à chaque fois avant de mettre votre pied. On n'est même pas dans le château là, pour voir. Attention à ta tête. Ouais, y'a rien là. Ça sert à rien. Tiens, ils ont mis une tente. Ils ont tenté de. C'est vraiment pas utile. On descend. Tu vas faire une photo avec ta verdure là? Non, non, c'est trop moche. Ici là, c'est chaud. Chaud quand même, hein. Tu filmes ma descente, jamais je me cassais la gueule. Je priais tellement pour ça, mais... MDR. Non, t'inquiète. Et c'est ça que je voulais voir ce que c'était. Et t'as vu, Rad, c'est un truc d'électricité, ça? Ouais. Faut pas appuyer sur Rad. L'alarme a pas sonné. L'alarme? Hey, tu l'as pas rechargé ton truc encore. Vas-y. Bien vu, merci. Tu l'éteins comment? Tu laisses le doigt dessus? Chaud quand même, hein.
Non. T'es tout chaud, hein? Ah ouais. Merci. Ouais, c'est pas mal monté là. Donne parce que moi en plus, c'est le premier truc que je repère moi. Mais pas la barrière. Elle était là-bas. Elle est où la barrière? Elle était là-bas. Elle est qui était par là. Et toi t'as la grosse porte. Hein? C'est toi la grosse porte par contre. En fait on va plus rien. Tu veux le. Mais c'est où la sortie? Allez là. Tu crois qu'il est là tout le temps? Moi c'est le premier truc ça. Quand je vais dans un grand espace comme ça, le premier truc que je regarde, c'est où est-ce que je peux grimper en cas de fuite. Moi j'avais vu les poutres en fait. J'ai rien vu du tout. J'attendais plus qu'un chien. Quand j'ai vu le chien, je savais que c'était un chien de garde. J'attendais juste de voir par où il allait. Attention, je pose ta lampe par terre. Tiens. Tiens. Putain, j'y arrive plus. Mets ton pied là. Bon chef hein, bonne soirée, malgré tout. Non, n'oubliez pas terre. Je suis dégoûté. Ouais. Même en journée, tu crois qu'il est là le gars? En journée, je crois dans tous les cas. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y avoir un gars H24. Ouais. C'est vrai, comme il était pas serein. Il aurait pu nous foutre une amende ou pas? Oui, non. Il aurait fallu qu'il appelle des cœurs. Ouais. Bah, il nous avait jamais gardé tous les trois. Et tu ressors par où là? Bah là, c'est simple. Tu sors en face de la voiture. Putain, mais pourquoi on n'est pas rentré tirer? En fait, moi je me dis, c'est mieux là où on se sauve. Parce que là, si on était dans un couloir, le chat il était en train de marcher. Oh! Mais non, là, parce qu'il le tient tout le temps. Je sais pas. Je sais pas hein, s'il le tient tout le temps. Le chien il est là, il. En plus, t'as vu comment elle est longue ça? C'est le câble. Son câble il est tellement long, vas-y, tiens-moi ça, on avance. Son câble il est tellement long. Vous revenez plus là-dedans. Ça se trouve, il était. Bah, ce soir, non. Vous serez tenté pour un autre soir? Bah, je sais pas, nous on n'a pas vu l'intérieur, franchement, ça serait cool de pas avoir. De toute façon, pour ce soir, c'est pas grave. Tiens. Bien vu. Je pense que je vais le laisser dans la.
Là, c'est qu'on ait fait une alerte comme ça, que... C'est à cause de la lumière. Même lui, il a dit heureusement que... Pourquoi il le loge d'habitude, tu crois? Bah, franchement, il reste là toute la nuit. Franchement, tenir son chien toute la nuit, t'es fatigué, hein. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second.